Dallas, Bingoma, Dallas. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ah. Ah, c'est beau d'être au Gabon. Ah, c'est beau d'être au Gabon. C'est Bingoma Beach. On appelle cette plage Bingoma Beach. Là, vous voyez, on se discute le poisson là-bas. C'est une pirogue de poisson. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Nous sommes à Bingoma Beach. On vous a dit que le pays est doux, le pays. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Retourne aux USA chez toi. Mais je suis chez moi là. Je suis à Dallas. On appelle ici Bingoma Dallas. C'est Bingoma Beach. Vous voyez la plage? Elle est naturelle. C'est la plage de Bingoma. Et vous voyez? Regardez l'étendue de sable. Vous voyez, non? Voilà. Bingoma Beach. On va développer le tourisme à Njolé. On va faire de Njolé une ville touristique avec nos belles plages. Vous voyez? Il n'y a nulle part comme ça au Gabon. Il n'y a nulle part comme ça. Regardez vous-même. Vous voyez? Bingoma, pourquoi Bingoma? Parce que Bingoma, ce sont les bambous de Chine. Vous les voyez, les bambous de Chine? C'est ce qu'on appelle enfant Bingoma. Bingoma, c'est le pluriel. Le bambou de Chine, c'est Ingoma. Mais quand c'est bi, c'est le pluriel. Donc Bingoma. Voilà. Bueno. Voilà. Et à Bingoma? Bingoma a ses délices et ses secrets. Bingoma a ses délices et ses secrets. Ah, là c'est la plage naturelle. La piscine naturelle. Piscine grandeur nature. L'Ogoué. Gabonais de la diaspora, rentrez, venez au pays. C'est bon le pays. C'est bon le pays, regardez. La fierté de Njolé à Bingoma. Un week-end, on fuit Libreville et on vient se détendre à Njolé. C'est ça. Vous voyez, c'est beau ça. Une piscine grandeur nature. On se pique une tête. Regardez. C'est naturel. C'est beau. Vous voyez? C'est le goué. Les gars, ça fait trop plaisir d'être chez soi, quoi. Je vous dis la vérité. Ça fait trop plaisir. Un Gabon débarrassé des bongos.
Wamarandze, je sais que toi tu étais pédagiste. Mazuna un Gabon débarrassé de Bongo Wazunanze. Voilà. Chez le pasteur Ngoussi. Ouais. Mazou Eke. Abou Abiye Eke. Il m'a pas l'air de vous, hein, là. Il s'en a dit, hein. Eh, les gars, c'est pas beau, ça. Dites-moi d'abord. Moi, je suis là. Je me régale. Je vous partage mon... Je vais te facturer cela. Car je suis touriste. Mais voilà justement, quand on parle de promouvoir le tourisme, regardez cette plage-là. Est-ce qu'on ne peut pas l'exploiter? Regardez, vous-même. C'est le Goué. Il n'y a nulle part comme ça. Tout le long de le Goué. Il n'y a nulle part comme ça. En dehors de Bingoma. C'est le meilleur quartier. Je peux vous montrer l'étendue, hein, l'étendue du sable. C'est sûr quoi? Peut-être 3 kilomètres. L'étendue de sable. Cette plage-là, plage naturelle. Hmm? Regardez vous-même. Vous voyez le vieux? Il est... Voilà, c'est beau. Voilà, avouez, vous nous enviez, n'est-ce pas, non? Vous nous enviez? Hein? Vous nous enviez? Vous nous enviez, là? Hein? Faut avouer, vous nous enviez. Ah, oh, ça fait du bien. Je vous dis. Les gars, vous n'imaginez pas. On est un beau pays, hein. Le Gabon est un très beau pays, béni de Dieu. Il a tout mis au Gabon. Hein? Voilà. Tout est naturel. Il n'y a rien qui est travaillé. Regardez-le. Regardez la profondeur de l'eau. Regardez la distance et regardez. Donc on peut marcher un peu comme à Miami. Mais à Miami, ils ont dragué le sable. Parce qu'à Miami, on peut marcher sur une certaine distance comme ça. Et vous voyez où l'eau arrive. Mais ça a été dragué. Alors qu'ici, c'est naturel. Vous voyez? C'est naturel. Donc Dieu a béni ce pays. Il a béni le Gabon. Mais ça, là, nous allons exploiter ça. Hein, monsieur le ministre du Tourisme, regardez ça. Hein? Yakabingoma. Voilà. Yakabingoma. On a une grande étendue de sable, comme ça. Et puis on se baigne. Oh, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Njolé, Njolé. Venez passer vos week-ends à Njolé. Et on va développer le tourisme à Njolé pour encourager les gens à venir, même se relaxer. Hein. Au lieu d'aller seulement au Cap Estérias. Voilà. On va développer ici. Maintenant que Bongo est parti, maintenant, je vais commencer à travailler sur les projets pour le Gabon. On a commencé à travailler sur les projets de tourisme pour le Gabon et d'abord pour Njolé. Nous allons faire de Njolé une destination touristique où des gens pourront partir de Libreville, venir passer les week-ends. C'est vrai que nous savons tous que le Gabon était géré par des gens qui ne l'aimaient pas. Donc ils n'ont pas su exploiter ou mettre en valeur toutes ces richesses que nous avions. Parce que moi, je vis à Miami, comme vous savez bien. La richesse de Miami, c'est quoi? C'est sa plage et son sable. C'est là. Alors que nous, c'est naturel. C'est naturel. Hein? On marche. Je peux continuer à marcher. Voilà, jusqu'à une certaine distance. Voilà, il y a le sable. Il n'y a pas de profondeur. Donc, même pour les enfants, ça va. Alicia, amène le seau là-bas. J'ai acheté pour Niu Niu.
Va là-bas, tu demandes pour Nyunyu, oui. Ok. Otniel, faut leur remettre 27 000. Tu as compris. Voilà. J'ai pris pour 27 000, oui. Mais oui. Est-ce que tu veux le dire sous témoignage? Parce que je suis en live. Attends, attends. Tu dis quoi, Wazuna Dia? On est en live. Dieu existe. Tu dis quoi, ce qui s'est passé le 30? Le 30 août. Oui. Donc Dieu existe. Donc Dieu existe. Oui. N'est-ce pas, non? Non, j'ai compris. C'est Dieu, non? Voilà. C'est lui le patron, ce suprême. Voilà. Pas Dieu en toi. Vous avez écouté, non? Non. Voilà. Ce qui s'est passé le 30, c'est Dieu. On remercie à Dieu à mon Dieu. Voilà, écoutez. Donc tu existes. N'est-ce pas, non? Donc tu existes. Donc Dieu existe. Oui. N'est-ce pas, non? Dieu, on a compris. Voilà. Mais on doit préserver ça. Oui, oui. On doit préserver ce qui s'est passé le 30. On doit le préserver. Mon Dieu. Voilà. Maintenant, je dors même des fois les fenêtres ouvertes. J'oublie de fermer les fenêtres, mais je dors jusqu'au matin. Vous êtes non? Je ne crains plus rien. C'est notable. Non. Hein? 56 ans, on a passé le moment dur. 56 ans. 56 ans de moment dur. On n'a pas confiance, on a même perdu frère. Voilà. J'ai perdu les frères jusqu'au jour où on n'a jamais retrouvé le corps. Voilà. C'est de ça dont nous devons parler au dialogue. Le bout, là. Voilà. C'est de ça dont nous devons parler. Il y a beaucoup de problèmes. Trop de problèmes. Donc nous devons parler au dialogue. Hein? Comment quelqu'un meurt, on ne voit pas. Frère, apporte-moi aussi un peu de poisson. Ok. C'est bon, qui t'a déjà fait une heure, ça fait 400 dollars. Ça c'est qui? Au tourisme, hein? Un très beau pays, mon frère. Oui. Il faut m'inviter, oui. Tout le monde, vous êtes tous invités, Anjolé. Vous êtes tous invités. Hein? Vous êtes tous invités, Anjolé. Hein? Regardez, c'est beau. Oh, on va passer les vacances à Miami ou quoi. Ou... Alors qu'il y a Anjolé qui est là. Il y a Bingoma qui est là. On veut la plage. Voilà la plage là. La plage, elle est là. Ça va loin. Hein? Le sable là va loin. Et jusque là-bas, ça va très loin. Et là, c'est la petite saison. Voilà, et nous sommes seulement en petite saison sèche. Mais durant la grande saison sèche, c'est encore pire. Plage naturelle. Voilà, c'est une richesse. Donc ce live, hein, c'est pour motiver mes frères de la diaspora à venir. venez au Gabon. Même ceux qui veulent combattre, venez nous combattons sur place. Il faut venir combattre maintenant sur place. Les bongos ne sont plus là pour arrêter les gens. Hein? Les bongos ne sont plus là pour arrêter les gens. Oh. Il faut venir au pays. Oh. Ceux qui n'ont pas de papier, c'est bon. Cessez de galérer à l'extérieur. Rentrez dans votre pays. Oh. Même faire la pêche, la chasse. Voilà, les Gabonais, ils sont là, ils vivent. Ils sont dans leur pays. Ça ne sert à rien. Si l'étranger nous dépasse, on rentre. Ça ne sert à rien d'être dehors pour dire tout simplement que je suis en France, je suis aux États-Unis. Non, il faut rentrer. Moi, je suis là, je savoure. Voilà, je dois repartir aux États-Unis pour quelque temps, peut-être la semaine prochaine. Mais je ne vais pas durer parce que je reviens encore au Gabon. Oh, ça fait du bien. Vous n'imaginez pas. Quoi, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Non, ne m'attends pas. Pourquoi tu m'attends tant, Fifi? Tant, Fifi, j'arrive. Mais prends la quantité que tu veux, tu prépares. Oui? Le reste, je vais amener à Marielle et son mari à Libreville. Oui. Oui, bon, écoutez, je vais continuer ma baignade. Rogoué. Voilà.
Pour mes frères de la diaspora. Elle est Wallisia, viens prendre le téléphone. Hein? Ah, ça fait du bien. Ah. Vous imaginez? Vous voyez les retombées? Vous voyez les retombées de lorsqu'on a chassé Bongo? Amoros, je suis en live, tu n'as rien à dire? Les gens de Bingoma, Dallas. Hein? Je suis en live là. On est en live depuis Bingoma, Dallas. Et on est suivi partout. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Oh, ça fait du bien d'être chez soi. Le Gabon, quel merveilleux pays. Je ne peux qu'être qu'en joie. Je ne savais pas que j'allais assister à ça. J'étais pas sûr que j'allais assister à cette libération. Comme le disait le vieux tout à l'heure. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi le live. Hein? Merci à la diaspora. Voilà. Allez. On se chope une autre fois, il n'y avait rien d'important.